Eh bien bonjour tout le monde, c'est Lemmy Koopa et aujourd'hui nous nous y retrouvons enfin sur Pokémon X. Nous nous retrouvons enfin à la Ligue Pokémon. Nous y sommes, la fin. Ah c'est con, j'aurais pu m'arrêter là en vrai. Ah. On m'a dit ouais, tu peux faire dans l'ordre que tu veux, c'est qui elle? Bonjour et bienvenue à la Ligue Pokémon, Lemmy c'est ça? Je suis l'un des membres du conseil SP. Oh merde, j'ai pas changé de Pokémon. La ligue est composée de 4 membres dont je fais partie et du maître. Pour affronter le maître, il suffit de vaincre le conseil et donc de faire preuve de sa valeur. Facile pour toi puisque tu as déjà vaincu la Team Flare, non? Ah, ok, non, c'est bon. Bah vous savez quoi, on va aller se la faire elle. En plus, c'est trop bien parce qu'on a deux Pokémon de type O. Ah bah si, Bitonné, il était déjà en premier. Bon bah, parfait, hein. Elle est passée par là, hein. Chambre du brasier. Ah, on peut se barrer si on a envie, hein. Mais non, on va se la faire. Donc, on va faire le type feu, histoire de pas galérer, hein. On commence par la facilité. En plus, vu qu'on a deux Pokémon de type eau, donc même si Amphinobi meurt, on s'en fout, on aura le classe. Donc, raison de plus, hein, d'être tranquille. Par contre... Quand on va devoir combattre le type eau, là j'ai peur parce qu'on a aucun Pokémon électrique. Je sais même pas s'il y a un Pokémon. Je sais même pas s'il y a une CT électrique, c'est pour dire. Je verrai ça hors vidéo en vrai, mais bon. Bonjour, nous voici en direct de la chambre du brasier. Je suis Malva, votre hôte. D'accord, j'aurais pu dire un peu plus de trucs. Hein. Malva. Oh, l'image de merde qu'ils lui ont foutu, la pauvre. En plus, ils lui ont même pas mis un modèle 3D, c'est nul. Oui, ça c'est un truc que je sais pas si je pense pas l'avoir dit dans mes vidéos. Mais le fait que les champions d'arène et du coup le conseil 4 et même la maître de la ligue bah, n'auront même pas de modèle 3D, je trouve ça dégueulasse. Surtout quand tu sais que des personnes inutiles comme nos alliés en ont, eux. Donc c'est encore plus honteux, je trouve. Après, c'est mon avis, évidemment. Bon, en vrai, là on va se faire... Si on meurt... En vrai, si on perd, c'est même pas choquant parce que j'ai vraiment pas XP. Vraiment. Le jeu, j'ai fait juste l'XP nécessaire. Donc, tous les combats qu'on a fait en vidéo. Et sans plus. Vraiment. Genre, là, si on se fait défoncer notre as, si on perd, c'est même pas choquant en vrai. Bon. La chance. Après, en vrai, tant qu'on est plus rapide que les autres, moi, je m'en branle. Hein. Moi, ce que je veux, c'est la rapidité. Comme ça, si l'autre après se met un contre-coup, bon bah tant mieux. Hein, mais bon, si on peut les fumer du premier coup, c'est pas plus mal. Genre lui, voilà, c'est bien. Allez, son dernier Pokémon. Lugulabre. Enfin... Et c'est fini. Oh, joli. Encore heureux. Et notre challenger triomphe brillamment de Malva du conseil 4. 13 000, putain. Brillant, fantastique même. Le monde doit savoir que ton équipe et toi êtes favoris pour dominer la ligue. Ce sera l'occasion d'un flash spécial par Holokit. Trois membres du conseil se tiennent encore entre notre challenger et le maître. Prends l'ascenseur pour retourner dans la salle principale. Oui, maman. Non, pas maman. Putain. Je postillonne beaucoup. Pourtant, j'ai même plus d'appareil dentaire. De l'alliage. Ok, type feu, type acier, j'imagine, lui. Bah, dracon, hein. Là, c'est type acier, ça. Hein. Ce qui veut dire qu'on va se laisser le type eau et le type dragon la prochaine fois. Ce qui veut dire que je suis suicidaire. Enfin, la prochaine fois, vu le temps qu'on passe dans cette vidéo, franchement, c'est pas impossible qu'on va se les faire dans la même vidéo. Hein, tout cela. Tout le conseil 4. Franchement, si on réussit facilement cette personne du conseil 4, c'est pas impossible qu'on va faire un troisième combat. Hein. Parce que bon,
Voilà quoi. Petit passier. Welcome, prince de l'USR. Je suis chevalier à l'armure d'acier Timéo. Putain, oh le nom de merde. Les miens et vaillants Pokémon offront bel et un temps juste. Je vous jure et affirme, Taïo. Oh, j'ai rien compris. Je sais pas s'ils ont fait une erreur de trad ou quoi que ce soit, mais. Ah. Déjà, Timo, ils l'ont mal écrit, putain. Trousselin. Ah. Allez, Dracon, c'est ton heure. Prouve-nous que t'es pas une merde. Prouve-moi que j'ai bien fait de pas t'appeler caca. Ah, putain, c'est vrai que tu peux utiliser ça. Ah ouais. Ah, tu veux la jouer à ça, le jeu, hein. Allez, prends ça dans ta gueule, connard. Je vais profiter, hein. Non, pourquoi je m'emmerderais? Si on peut profiter, avoir plus d'attaques. Honnêtement. Pourquoi s'emmerder? Ça me tuerait. Voilà, là c'est bien. Allez, crève. Taille énorme. C'est pas un Pokémon de type roche, ça? Un peu quand même, hein, type roche. Ah, c'est nul. Bon, au moins il est brûlé. Ouais, mon dieu. Ah, le bâtard. Non, le fils de pute. Dracon, je te déteste. Va te faire suicider, connard de merde. Fils de pute. Bon, qu'est-ce qui peut aussi niquer le type... Oh. Qu'est-ce qui peut aussi niquer le type acier? Merde. Bon, on va prendre la coke. Putain, il a un niveau de merde. Ouais. J'ai pas de rappel max. Putain, ça, je l'ai déjà utilisé. Bon, on voit tant qu'il tient, lui. Allez, est-ce qu'on est plus rapide que lui? Je le souhaite. Bah bon, c'était logique. C'était logique, c'est pas choquant. On va pas demander la mine. Enfin, si, quand même. Putain, même le class, il est pas au level, hein. Ah, j'ai vraiment merdé sur les personnages, hein. Oui, bah lui, acier, insecte, c'est la double. C'est littéralement le double, là, hein, pour qu'on le défonce. Bien, Exagide. Je sais pas ce que c'est. Ah, je pensais qu'il était avec dans la 8ème génération, lui. Trop de défense. Ouais, voilà. Mais mon dieu. Il est mort. Fils de pute. Bon, bah, on va prendre toi, hein, pour voir. Après tout. Serve. Bah oui, forcément. Qui ne s'est pas dit que le surf, ça pouvait niquer des Pokémon de type acier? Bon, 8 minutes 30 de vidéo, ouais, bah on va se faire un troisième membre. Hein. Bah, je pense même on va se faire... Oh, désolé, je lis pas, c'est trop nul, il sait pas parler. Putain, même les dyslexiques, ils parlent mieux que ça. Et pourtant, eux, ils ont une vraie excuse, hein, s'ils savent pas parler. Hein. Bon, allez, on va se taper qui maintenant? Bah, attends, déjà, avant de se taper qui que ce soit, clairement, on va partir sur des soins. Oui. Oh là, on va soigner des gens, ouais. Bitonné. Dracon. Et ma coque. Bon, alors, désolé, je vais juste regarder, est-ce que j'ai une petite attaque de type électrique? Et surtout, si je peux le mettre à un Pokémon, ce serait cool. Ah. Tonnerre. Ah ouais, je peux le mettre à Locklass. C'est totalement logique, effectivement. Je savais pas que Locklass, un Pokémon de type eau glace, peut prendre une attaque de type électrique. Qui ne s'est pas dit ça, putain? Vous êtes con. Non, vraiment, c'est quoi ce bordel? C'était soit Locklass, soit Xerneas. Bon. Disons que... Ah, cascade. Ah bah non, on va pas enlever cascade. Ah, quoique, en vrai, je pouvais l'enlever, hein. Ouais, mais non.
Voilà, c'est bien. Du coup, maintenant, Loclass, je te mets en priorité malgré que t'es niveau 56, bordel de merde. Putain, le pauvre. J'aurais peut-être dû prendre Xerneas, hein. Je sens que je vais le regretter tellement bêtement. Chambre du barrage. Même si c'est type dragon, là, en vrai, on s'en fout parce que Loclass, il a une attaque de type glace. Donc, dans tout cas, il est utile. Mais c'est type eau, là. Ah, c'est très lourd. Ah, quoique. Je dis ça, mais ça se trouve, c'est vraiment le dragon. C'est l'eau. Ok, c'est l'eau. C'est la flotte. Eh bah putain, ils ont mis le budget pour un truc qui va durer pas longtemps. Hein. Bon allez, est-ce qu'on va mourir rapidement? Je le souhaite. Je ne comprends pas. Dis-moi, jeune homme, je ne dresse rien une question, mais pour les lèvres. Les combats Pokémon méritent-ils d'être qualifiés d'art? Si je m'en branle. Je comprends. La cuisine est un art éphémère, les œuvres disparaissent aussitôt. Les combats terminés. Oh ta gueule! Ah, son appareil. Allez, Narcisse. Quel nom de merde. Gamblast. Xerneas. Alors. Non, pas Mégacorne, merde. Ah, quoique. Ah, c'est pas mal, hein. Non, pas ça. Tonnerre. Nique-le. Ah, je t'aime bien, mon Xerne. Bisous, Xerneas. Toi, faut que t'augmentes de niveau, effectivement. Léviator. Ok, là, j'ai peur. J'ai très peur. Il va me péter la gueule. Golcopat, c'est quoi cette merde? On dirait une araignée. Ah, presque, hein. C'est vraiment typo ce truc. D'accord, pourquoi pas. Bon, bah maintenant, mort. À moins que... Non, il n'est pas soigné, étonnamment. Bon, bah tant mieux pour moi. Hein. Ah, niveau 62 pour Xerneas. Let's go, let's go. Wahoo. Staros. Ok, j'espère qu'on sera plus rapide. Faut que Xerneas gagne de l'XP. Bon, ok, ça va, si c'est que ça. Merde. Oh, la survie! De toute façon, je pense qu'il va faire la même chose, donc autant se mettre bien. Il va faire la même chose. Voilà, c'était sûr. C'était sûr. Tiens, attends, encore de bois. Après tout, on va tenter. Hein. Ah, beaucoup plus puissant, étonnamment. Ah, coup critique aussi. Et en plus, on l'a défoncé, on a regagné nos vies. Et bah, parfait. Moi, yes. Ce combat avec toi restera pour toujours gravé dans mon cœur. Ouais. Il faut se dévouer corps et âme à ce que l'on fait pour graver les actes de la conscience et laisser une trace insensible au vent de l'oubli. Voilà le secret de la vie. Ne te reste plus qu'une seule saveur à découvrir au grand bouquet de Pokémon de la Ligue. Goûte-la sans réserve, guidée par ton appétit de puissance et savoure-la jusqu'à la lie. J'ai rien compris, mais c'était trop beau. Bah attends, ça c'est complètement con ce que je viens de dire. Bon allez, maintenant le type dragon. Du coup, attends, dragon. Est-ce que j'ai des attaques de type glace? Déjà, des types dragon, dracogriffe, ouais. Dracogriffe, je vais le mettre à dragon. Ouais, ironique, hein. Allez, on va te mettre quoi à la place? Alors, 80. Revend du feu, vol. Bah on va enlever le rebond du feu, hein. C'est celui qui fait le moins d'attaque. Ah, je me prépare à 100% là, j'ai peur.
Ah, laser glace, je peux le donner à toi. Intéressant, bah vas-y, on va le faire. Hein. Ah, Amphinobi. Bah attendez, déjà qu'il est ultra rapide, alors autant profiter. Hein. Attends, donc 90, 110, 50, 90, 80. Bah on va enlever coupe alors. Hein. C'est une capacité précieuse, vous ne pouvez pas l'oublier ainsi. Mais je veux l'oublier ainsi, merde. Bon bah on va enlever alors surf. Oh putain. Extrasenseur. Voilà, merde. Putain, on peut même pas enlever les CS, c'est casse-couille. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, c'est logique, je crois. Vas-y. Bah, bitonné, on va te mettre en premier. Là, c'est rigolo. Et du coup, même après bitonné, dans tous les cas, on aura Locklass et Dracon à utiliser contre le type dragon. Genre là, on a vraiment tout. On a trois Pokémon pour nous aider à défoncer le type dragon. Donc on va se faire plaisir. Après, si on arrive à lui gagner juste avec Amphinobi, tant mieux. Hein. Mais pour la sécurité, j'ai pris les autres. Et puis en même temps pour le maître, hein, parce que le maître de la ligue, on sait pas c'est quoi ces Pokémon. Donc bon. Ah, c'est nul. C'était mieux le typo. Tu es qui, toi? Une meuf. Bonjour mon petit, tu dois être très valeureux pour être arrivé jusqu'ici. Ah ça oui, j'en suis folle de joie. Mes petits chéris vont passer un merveilleux moment avec un dresseur de ta trempe. Ah. Bah de rien, Madame Dracena. Putain, c'est quoi ce nom? À Craverèche. Ah. D'accord, je pensais pas que ça ressemblait à ça, mais allez. Why not? Le Zalgloss! Ah, ça pue la merde. Mais au moins, il est gelé, donc. Surf. Je m'en bats les couilles. Je vous jure que je vais le spammer à fond. Laser glace encore, parce que ça fait un minimum d'attaque. Par contre, le fait qu'on ait réussi à geler, ça m'étonne. Parce qu'avant, on n'y arrivait pas avec Locklass. Donc tant mieux, hein, mais. Étonnant. Lucario. Altaria, bah non, on s'en fout, on le garde. Hein. Mais en vrai, Altaria, c'est un Pokémon tellement puissant, en vrai, c'est. Mais qui peut se faire fumer aussi très rapidement. Oui, c'est un peu son défaut. Dracarmin. C'est le nom d'un ministre ou quoi? Oui, c'est vraiment celui que vous pensez à laquelle je faisais la blague. C'est dégueulasse, hein. No. Ok, on peut le fumer là si on a de la chance. Oui. Et un bruit verne. Ah merde, j'aurais peut-être dû le changer. Ah, il est type vol lui. Oh, laissez le GG. C'était rapide, étonnamment. Mes aïeux, cela aurait été court. Pardon, au plaisir de te retrouver pour un nouveau combat. Et puis quoi encore? Je fonds ton équipe et toi être à croquer. D'accord, merci madame. Ah. Bonne chance. Tu as réussi à vaincre le Conseil 4 dans son intégralité. Je suis très fier de toi. Bravo. Et en une vidéo, hein, s'il vous plaît, un peu de respect quand même. C'est pas dans tous les Let's Play Pokémon qu'on a pu faire ça, hein. Ah, ça non. Bon. C'est l'heure. Prochaine vidéo, c'est la fin. Nous y sommes. Et encore, si je veux, en vrai, je peux le faire, mais vu qu'il y aura les crédits et tout, et que ça va être beaucoup trop long, pas envie de faire une vidéo qui va durer 1 heure. Enfin, je peux si j'en ai envie, en vrai, mais flemme. Et puis surtout, ça va être chiant même pour vous, donc. Déjà que je suis sûr que la plupart d'entre vous ont même pas vu l'épisode final de Pokémon Violet qui a duré bah, plus d'une heure du coup. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Prochaine fois, fin du Let's Play. En espérant qu'on se fasse pas défoncer, évidemment. Du coup, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Sur ce, c'était les Micopas. Et puis à très vite pour la fin de ce Let's Play. Au revoir tout le monde.